Colonie c'est bon. Colonie c'est bon avant les guitares comme on casse. On va les mettre à bouillir. On va les lire. On va manger les fruits. C'est là, bandit. Le baga, tika le baga. Le baga, nous le baga, tika ba. Ok. Balabolingini. Colonie du tour, ma casse. En français. Le baga, nous le baga en français. Colonie du tour. Colonie c'est bon. On met là les bons. On met là les bouillis. On est les foufous. Je vous remercie. On va aller à Moussa Pimoko. Nibale. Misato. Mine. Mitano. Okapi, la jeune nationale de la RDC. Okapi, mammifère herbivore rumina. Okapi, la forêt. Nous remercions quand même nos partenaires et en l'occurrence l'association Cœur Soleil qui a permis à ces enfants qui ont manqué cette activité pendant plus de 2 ans passés. Et les enfants sont très contents, vous allez les voir vous-même dans leurs activités, comment ils jouent, comment ils mangent, ils sont très contents. Dans la rue pour manger, on travaille, ou faire la mendicité. Mais dans la colonie, on mange gratuitement. Dans la rue, on se sent isolé. Mais dans la colonie, on joue avec des gens qui nous aiment. Thank you.
Amélie et Firmin rêvent d'un monde idéal. Mais malheureusement, c'est encore loin d'être le cas. Que peuvent-ils donc faire? Aider dans les catastrophes? Construire des infrastructures dans les pays pauvres? Envoyer de l'argent à des associations locales? Faire changer des lois considérées comme injustes? Changer ici nos comportements qui ont des effets négatifs là-bas? Tous ces moyens ont leur utilité. Ils sont très souvent complémentaires. Aujourd'hui, nous voudrions vous parler de l'un d'entre eux qui nous tient à cœur. L'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Pour bien comprendre ce que c'est, allons-y par étapes. Éducation vient du latin ex ducere, qui signifie littéralement « conduire en dehors d'eux ». En d'autres mots, « faire éclore ». Et faire éclore ne signifie certainement pas d'imposer des idées, de conditionner. Pour faire éclore, il faut donner les moyens, la liberté à l'autre de devenir ce qu'il veut. Éduquer, c'est proposer. C'est émanciper. La citoyenneté nous concerne tous. Thank you.
Mais c'est un drôle de raccourci, hein. Ouais, si pas ça, on sera dans le bouchon. Ouais, je comprends. La commune d'Ngaliema est aussi frappée par les embouteillages et quoi, les érosions. Mm-hmm. Hein? Donc la terre est vraiment très fragile. Heureusement, là où nous avons implanté notre centre, nous sommes loin. En bas là-bas, la pauvreté, la misère est vraiment fréquente. Donc c'est palpable. Donc ce qui fait que le besoin avec notre projet santé, le besoin vraiment, 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 vraiment le bienvenu pour la population. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème de notre souveraineté. Congo, Don Béni, Congo, des aïeux, Congo. Émilie, tu as compris quelque chose? Je mourrai, je serai noir.
la garantie. Tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Et quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur ? Hey! Allez! Hey!
Je m'appelle Tony Akundi. Je suis responsable du bureau d'animation éducative, culture et sport à l'Orpère. L'œuvre de reclassement et de protection des enfants de la rue, ici à Kinshasa. Pour quel soleil? Merci, Tony. Ouais, c'est le 6 novembre. Hein? Ouais, 2022. Alors, nous sommes venus juste pour encourager les enfants. Oui, je me présente, M. Kani Kanana Tamboué. Je suis l'ambassadeur de AS DRC, des appuis de la Fédération Congolaise de Rugby. Ok, à part ça, moi-même, je suis athlète des Rugby Club Les Étoiles de la Gombe. En même temps, je suis le capitaine de l'équipe nationale de rugby congolais. Capitaine oui, de l'équipe nationale de rugby congolais. Waouh! Là, je lui fais la passe, je cours. Elle me fait la passe. Je fais encore la même passe. Tout le monde, on va faire la même chose. Je cours. C'est bon? Parfait, c'est fait peur, ça. Mais ça n'a pas tout chaud. Ouais. C'est bon! Foyer Père Gérard, milieu ouvert fille, sous la pluie. Mais heureusement, c'est une petite pluie. Donc là, on est avec Véronique qui s'occupe de l'atelier de loisirs créatifs. Donc, qui est venue pour nous expliquer un petit peu comment elle travaille avec les enfants d'ici, qui sont là d'ailleurs, qui regardent attentivement. Avec le responsable Timba. Oui, oui, toujours en forme. Je vous souhaite voilà. Les bienvenus. Je vous souhaite les bienvenus. Nous vous accueillons en famille. Je vous souhaite chez vous. Nous vous accueillons. Des chaussures. Et là, matata, hein, c'est très dur. Émilie et de l'association Cœur Soleil et de ses amis infirmiers, infirmières qui ont fait don au secteur santé de leur père. Un grand merci d'avoir pensé aux enfants vulnérables. De ville de Kinshasa. Et Félix, le chauffeur. Je dis merci à l'association Cœur Soleil. Oui. Qui a pensé à nos enfants, à nous Congolais. Merci. Mes enfants, il n'y a même pas un chiffre vraiment exact. Il peut être 40 aujourd'hui, demain seront 80 jusqu'à 120. Les enfants qui passent pour les soins, ils viennent pour des plaies. Il peut avoir une plaie, mais il a aussi la maladie. Oui, bien sûr. Il peut sortir de la fièvre typhoïde, il y a la malaria derrière. Et surtout ça, parce que nous sommes dans la zone endémique.
Voilà, c'était les objectifs du millénaire pour le développement. Il y avait 8 ONG dont le pivot central était la lutte contre la pauvreté. Et aux Nations Unies, ils avaient décidé que ça concernait que les pays du Sud. Là maintenant, c'est 2015 à 2030. Et là, nous, on a dit, c'est tous les pays de la planète, il n'y a plus de Nord, il n'y a plus de Sud, c'est tous les pays de la planète qui doivent s'engager pour les 17 objectifs. Participe et anime bénévolement au Cœur Soleil.